arrière. C'est R. Je crois que c'est ça. Donc, on est avec Maëlys. Maëlys, donc, elle avait testé la voiture électrique. Elle avait pas trop mal kiffé. Et là, maintenant, elle teste la hybride. C'est bon pour toi? Est-ce que le R, il s'est affiché? Ouais, c'est ça. Je sais pas, je vois rien. Regarde, caméra de recul qui s'est affichée direct. 360. Normalement, tu es une femme. Donc, ça devrait aller avec une telle voiture. Donc, tu disais, il fait très chaud aujourd'hui, c'est ça? Oui. Non, faut que tu appuies sur le bouton. Ça y est, c'est bon, je suis en D, mais je voyais pas si. Sinon, il est affiché ici, regarde. Ah oui, d'accord. Ok. Regarde, pour ouvrir le toit au vent, c'est ce bouton-là, tu le tires. Regardez-moi ça. Regarde, et là, tu vas pouvoir bronzer. Je peux bronzer du sur mon trampoline. Ouais. Et après, la caméra, dès qu'on dépasse les 15 km/h, normalement, elle S'enlève. disparaît, ouais. Mais là, quand on met le clignotant, ça met le côté du clignotant. C'est en fait pour voir si on se rapproche trop Une du. toute nouvelle voiture. Eh oui, t'as vu, c'est génial ça. Avoue que t'as pas ça sur ta BM. Non. Bon, ça, c'est parce que j'ai pas mis moi la ceinture Voilà. sécurité. Donc, je vais la mettre. Malgré que j'avais la ceinture au pantalon, mais là il demande la ceinture de la voiture. Alors, on va voir le visage de Maëlys là. Ah, le petit sourire qui va bien. Bon, elle a kiffé la voiture, je crois. Hein, ça se conduit bien. Hein. Bah oui. Ah bah, oui, c'est qu'il était en dernier moment, lui. Bon, attends. Que je me trompe pas, hein, on va pas atterrir je sais pas où. Bah, c'est pas grave, hein. De toute Si, manière, si, tant que t'es si. à bonne. Tant que t'es dans une bonne voiture. Ah bah oui. Donc voilà, là, le toit ouvrant. Il y a le rideau, donc on peut mettre le rideau. Donc c'est ici. On met un coup, comme ça. Et donc il va se fermer jusqu'à l'ouverture du toit. Voilà, là il va se faire tout seul. C'est automatique. Et là on est sur les routes de campagne. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes à Robey dans le 77. Donc elle a trop de vent, elle a fermé la fenêtre. C'est que tu peux mettre le régulateur de vitesse. Tu sais comment on le met? La deuxième manette, tu fais comme si tu klaxonnais. Non, là t'as pas klaxonné, t'as poussé vers l'avant. Bah, quand tu klaxonnes, t'appuies. Bah oui, mais toi t'as poussé. Alors appuie sur le bouton. Sur le côté? Ouais. Lâche l'accélérateur. Bah ouais, regarde. Si tu lâches Ah bah oui, l'accélérateur, c'est bon. elle accélérera pas, et elle ralentira si jamais elle voulait prendre de la vitesse. Donc là, on a une grande ligne droite. Bon, malheureusement, avec les différents essais, on voit les impacts de moustiques suicidaires. Il y en a plein. Hein. Ils se sont jetés sur la voiture. Bon, après, c'est peut-être parce qu'elle est très attirante. Ça les a attirés. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être. Ça, le blanc, ça attire, non? Bon, en même temps, on admire les tatouages de madame. Hein. Une rose. Là, c'est quoi? Ah, je crois que c'est parce que son mec, il doit pas lui offrir des fleurs et du coup, Allez. elle s'est fait tatouer N'importe directement. Hein, c'est ça? quoi. Oh, j'ai pas besoin de rose. Non, mais juste de J'ai pas fleurs. besoin qu'il m'en offre. Ah, t'as pas besoin. Bah non, parce que du coup, elles sont gravées sur toi. Donc du coup, c'est bon, t'es gavé. Bon, à tout moment, tu peux accélérer. Et dès que tu relâcheras, ça reprendra cette vitesse-là. Et par contre, tout à l'heure, quand on va faire le croisement, il va falloir que tu freines, bien sûr, parce qu'elle va pas savoir. Oui, je veux pas atterrir, je sais pas où. Eh, pour aller en vacances au Portugal, ça serait top, ça. Ah, tu me la laisserais? Mais t'as craqué ou quoi? Je te prouve que je sais bien la conduire. Ah non, mais tu sais bien conduire. Bon, après, la voiture, je sais qu'elle corrige les petites erreurs si besoin. Oh, c'est là, hein. Ouais, c'est là.
va rouler que à l'électrique, ça sera bien. Parce que là, tu es au cœur en électrique, là. Ah oui, parce que celle-là, elle fait les deux. Celle-là, elle fait les deux. Elle est moitié essence, enfin moitié essence. Disons qu'elle peut fonctionner à l'essence et électrique en même temps, ou alors en 100% électrique. Et quand on a des petits trajets comme là, puisque là, on fait à peine 20 km, bah, ça sert à rien de rouler avec l'essence. Donc on peut rouler. Là, ça consomme pas. Et du coup, ton plein, il dure longtemps. C'est pour ça que je te disais, par rapport à ton utilisation, pour aller au travail, vu que tu es à côté, tu prends ça, ton carburant, tu touches pas. Et après, le jour où tu dois partir, genre en week-end, avec ton chéri qui veut t'emmener nulle part, là, tu peux utiliser l'essence. Oh. Mais si, regarde, on va partir au Portugal. Avec quoi? Voilà, toujours dans les routes de campagne. T'aimes pas cette route? Pourquoi? Elle est vachement technique? Non, c'est pas. Oui, il y a des virages partout, j'aime pas. Mais justement, ça permet de tester le véhicule dans des bonnes conditions. Oui, mais. Bah oui. Du coup, là, on sait si la voiture elle tourne. Si elle fait. Si elle a des bonnes suspensions. En fait, je ralentis pas trop autant que ça. Bah tu vois. T'es même en excès de vitesse. Pour une route si compliquée que ça. Hein? Ouais, ouais. On va éviter d'être en excès. Ouais, on va éviter, hein. Regarde, c'est marqué rappel 50 et madame, elle est à. Oh, elle était à 58. Non, on sent pas la vitesse. Ah, on sent. Ah, c'est une voiture qui est traître alors. Hein? C'est une voiture qui, en fait, on pourrait rouler très vite sans s'en apercevoir. Et du coup, les gendarmes ou la police, elle t'arrête, tu leur dis quoi? C'est la faute de la voiture. Oui. Non, mais c'est vrai, t'accélères, tu sens pas que t'accélères en vrai. Bah, et surtout qu'on n'entend pas le moteur. Donc là, c'est encore pire. Ouais. Non, le pire, c'est au démarrage. Est-ce que t'es parti? Est-ce que t'es pas parti? Ah, si la voiture elle a démarré, tu veux dire, pour partir. Tu te demandes. Ah, ça c'est bien, il n'y a pas besoin de repasser les vitesses. Ah, t'as vu? Tu t'arrêtes et tu repars. Elle est scotchée à la route, la voiture. Ouais. Et t'as vu, quand tu caresses la pédale d'accélérateur, elle part tout de suite. Hein. Ah bah, t'appuies à peine dessus qu'elle est partie. C'est pas comme la mienne, il faut. Et pourtant, toi, c'est une BM. Ouais. Bah, normalement, ça devrait partir. C'est une essence, toi. Ouais. Bah, normalement, c'est censé être nerveux. Celle-là? Là, tu roules en 140 chevaux. 140. Et la tienne, elle fait combien? 115. Bon, bah voilà. Bon, là, concrètement, tu as la même puissance que ta voiture. Vas-y, appuie. Là, c'est une grande ligne droite. Appuie. Moins droite. Et tu vois, la tienne, elle fait pas comme ça. Elle traîne, hein? Non, moi, il faut le temps qu'elle reparte. Bon, je ralentis. Oui, ralentis un peu quand même. Mais c'était pour. Mais tout à l'heure, tu appuies vraiment à fond sur l'accélérateur. Bah, sur la grande ligne droite de. Voilà. Parce que là, en même temps, on visite. Puis t'as pas de visibilité ici. Tu vois pas quand les gens ils arrivent. Bah, en même temps, si tu restes sur ta voie, il n'y a pas de risque. Hein. Oh. Bah, ah oui. Il y en a qui roulent. Hein. Il y en a, les virages, ils les prennent vraiment sur l'autre voie. Ouais, ils les coupent. Et tout ça pour gagner quoi? Une demi-seconde? Et encore. Tu vois pas une voiture arriver en face, tu te la payes, ta demi-seconde, elle est plus. C'est ça. Voilà, c'est un. Même pas besoin de freiner, elle freine toute seule. T'as vu? Elle a anticipé. Grave. Ben ça, c'est grâce aux aides MG Pilote. Hein. En fait, la voiture, dès qu'elle sent que tu attaques le virage un peu trop vite, elle va ralentir. Elle a aussi le volantier qui tourne tout seul, celle-là? Ouais. Parce que je le sens quand. Elle fait de la résistance des fois. Ouais. Mais là, elle ne peut pas le faire parce qu'en fait, on n'a pas les lignes de chaque côté de la route. Ah oui. Tu vois, là. Et en plus, là, c'est à moitié effacé, donc elle se perdrait. Ouais, il faut absolument les. Donc, il faut que ça soit les lignes des deux côtés. Ouais.
Une fois que tu as les lignes des deux côtés, là, tu peux t'amuser à lâcher le volant. Puis tu te crois grand là-dedans, c'est. Pourquoi tu fais 1m20? Bah, dans ma voiture, je suis toute petite, hein. Ah, mais t'es ras le sol aussi. Voilà, Celle-là, elle est plus haute et déjà. tu pars d'une BM. C'est rien, ouais, c'est rien. Un SUV. Vas-y, appuie, à fond, à fond. T'as vu, ça part, On hein? va s'envoler, hein. Ah bah oui, moi, il faut 100 km quand même. Alors, ça, la Victor, je crois, c'est pire, hein. Il m'a emmené à Montmirail l'autre jour. Laquelle? Bah, la grille, La enfin, celle qu'il a BMW? refait, là. La série 3. Ouais, il appuie sur Eh le ben, frein. s'il n'a pas dépassé les 4000 tours, le truc, c'est un veau, hein. Et en plus, Bah moi consommation aussi, hein. moyenne, 20 litres. Mais Moi aussi, c'est... je dépasse les 4000 tours, hein, pour bien accélérer. Ah bon? Mais jetez vos voitures. Entre 3000 et 4000, oui, ça dépend. Mais jetez vos voitures. Achetez MG. Oh bah oui. Bah, tu sais, là, t'avais testé la électrique, tu la prends en payant tous les mois. C'est en fait ton budget carburant qui passerait dans le crédit. Et en même temps, tu auras une voiture neuve. Et après, le reste du temps, il n'y a pas d'entretien. Allez, vas-y, à fond. Il y a une voiture devant, pas à fond. Tu pourrais presque lâcher le volant. Non, on roule trop vite. Regarde, mets le régulateur vitesse, appuie. Appuie. Non, régulateur vitesse. Non, c'est pas celui du haut, du bas. Voilà. Et maintenant, tu lèves la manette vers le haut. La gazelle du bas. Ouais. Vas-y encore. Voilà, c'est bon. Regarde, là, tu as programmé à 95 km/h. Mais en fait, on fait que du 88. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que la voiture devant, elle roule pas. Et en Donc c'est fait, pour tu la laisser suis. la ligne, Et il y a enfin la la marge de distance. sécurité, tu vois. En fait, tu as trois traits. Tu vois ici? Oui. Tu as trois traits. C'est Oui. la distance de sécurité avec la voiture. Donc, si D'accord. elle ralentit, tu vas ralentir. Automatiquement. Regarde, Ah non, mais bah appuie oui. pas sur le frein, regarde. Ah oui, wesh. Regarde. Ah ouais, mais elle ralentit entièrement en fait. Bah, et même s'il faut, elle s'arrête. Bah je vois ça. Regarde, il y a l'accélère toute seule, t'as vu? En fait, elle suit la voiture, quoi. Regarde, Et... et là, elle suit. Là, la marge de sécurité est plus faible parce qu'on roule à une petite vitesse. Mais elle suit la voiture, regarde. Regardez, elle n'a même pas les pieds sur... Si. Moi, je le lève. Non, non, il est là. Ouais, t'as juste en face, histoire de dire, je vais doubler. Voilà, vous voyez? Là, elle est bluffée, hein. Grave. Par contre, pour doubler, je te conseille de mettre la clignotant. Oui, mais attends, il y a plein de voitures qui passent. D'ici là, à mon avis, on sera déjà arrivé. Ah, peut-être. Hein. Camion, voiture. Ah ouais, c'est le tracteur, il a crevé son pneu. En fait, voilà, nous sommes ralentis par ça. Donc, on avait le régulateur de vitesse, je vous faisais voir en vidéo. Et en fait, la voiture, elle a ralenti parce que la voiture devant ne roulait pas, tout simplement. Si, Arrivé. si, vas-y, double. Parce qu'après, tu vas prendre la première à gauche. Tu vas comme si prendre la route, Comme ça, la là. petite route, ouais. Ah, vas-y, passe devant le camion. Attends, laisse-moi tourner, le virage est serré. Voilà. Toujours le silence. Hey, t'arrives en vacances, t'es fraîche encore. Je vais où là? Là, tu t'avances et tu recules comme ça. Ah, je recule. Oh, bah oui, là tu avances un petit peu. Maintenant, tu recules en allant à gauche. Allô? Alors, levier de vitesse. R, voilà. Ah bah Sinon, oui, c'est vrai, ça bah sort oui. direct. Mais alors, est-ce qu'elle maîtrise? Elle maîtrise pas super, hein. Bah si. Elle va aller dans le blé, là. Et tu la mets là, la voiture? Non, 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 là tu la devant. Non, devant, tu vas où?
Attends. Là, c'est la caméra de devant qui est activée, donc on voit ce qui se passe devant. Ah, c'est devant ça? Ah oui. Eh oui. Et dès que tu dépasses les 15 km/h, ça disparaît. Voilà. Ça, c'est bien par contre, caméra de recul et tout. Ah, t'as vu? Ça, c'est bien. On est sur une vraie voiture. Alors, voilà la Alors. fameuse BM qu'elle a, c'est la série 1 qui est là. Voilà. Attends, je mets mon clignotant, je vais pas me faire rentrer dedans. Ah, il vaut mieux pas. Hein. Donc là, on a aussi de la Porsche. Hein. Voilà, là, c'est un Porsche Macan qui est là. On a quelques petites voitures sympathiques. Mais bon, ma préférée, ça reste la MG quand même. Attends, parce que j'ai pas réglé les rétro bien comme il Ouais, faut. on s'en fout. Regarde, t'as la caméra. Non, c'est bon, regarde, tu vas trop vers le mur. Regarde, tu le vois là, que tu vas aller devant le portail. Tourne, tourne, tourne encore. Voilà, stop. Et tu les laisses là. Hey, je suis garée du premier coup, waouh! Donc neutre, c'est ça? Non, pas neutre. N. Parking. Bah si, N. N, non, parking. Regarde, P. Et là, j'ai cliqué parking. T'as vu, ça a Ok. mis le frein à main. Et là? Et t'appuies un coup, bref. Voilà! Alors? Pas mal, pas T'as mal. kiffé, Ouais. hein? Bon, allez, à bientôt pour d'autres vidéos. Recharge yourself.